Salut tout le monde, c'est Bifix, comment allez-vous? Moi ça va super bien comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour un petit tutoriel sur PC et puis sur iPhone, Android. En fait, je vais faire la vidéo en deux parties. Et je vais vous montrer comment passer du côté obscur de YouTube, donc c'est-à-dire passer du mode blanc au mode nuit, au dark mode, le mode sombre, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez voir, c'est super simple, c'est juste une petite option à connaître et ça va vraiment vous permettre de soulager vos yeux, surtout dans la nuit lorsque votre écran fait beaucoup de luminosité et que c'est pas très agréable pour les yeux. Le thème noir lui permettra vraiment de beaucoup plus atténuer cette luminosité. Donc si vous êtes sur ordinateur, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre logo en haut à droite. Et une fois ici, vous allez cliquer sur Apparence. Vous pouvez voir que le thème clair est sélectionné et vous, ce que vous allez faire, c'est juste le passer en thème foncé. Directement, YouTube va passer en mode sombre, donc vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Et maintenant, je vais vous montrer la manipulation sur iPhone. Je pense que sur Android, c'est à peu près la même chose. Franchement, ce n'est pas des options très compliquées à chercher, il faut juste aller dans les réglages. Donc là voilà, je suis sur ma chaîne, vous allez pouvoir voir que je vais me rediriger vers la catégorie accueil, la catégorie principale en bas à gauche de l'écran. Et une fois ici, c'est la même manipulation, c'est-à-dire que vous allez taper sur votre logo en haut à droite. En revanche, ici, vous n'aurez pas directement la catégorie thème sombre, il faudra aller dans les paramètres de l'application. Et c'est à cet endroit que vous pourrez voir le menu apparence, que vous pourrez passer de thème clair à thème sombre par exemple, et l'application passera directement en mode noir. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, c'était la deuxième vidéo de la semaine, maintenant je pense que je vais tourner à ce rythme-là. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.